couple français qui ne va pas se laisser abattre. Alors, vous connaissez les écarts, Philippe ? Les écarts ne sont que de 8 centièmes de points entre les Italiens et les Russes. C'est quasi incroyable. 8 centièmes de points, peut-être pour une médaille d'or ou d'argent, voire de bronze. Cela va évidemment dépendre maintenant de ce que vont nous faire, nous proposer Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui désormais, et c'est bien juste de le dire, ne sont plus les seuls favoris de cette compétition, mais les co-favoris de cette compétition. Par l'état de nervosité de Tatiana Tarasova à nos côtés sur les notes du couple italien, ça va faire encore du remue-ménage tout ça. Allez, 4 minutes et peut-être une médaille d'or au bout de ce programme pour Gabriela et Guillaume. Ici sur ces puzzles, continue, parfait. Attention, voilà, c'est ce qu'ils savent faire de mieux, donner l'impression qu'ils sont décontractés avec cette légèreté, cette fiabilité entre l'un et l'autre. Le courant passe fortement. Très belle fente. C'est parfait. Allez, ils sont bien partis là. Nous sommes à la moitié du programme. Où tout le monde retient son souffle, hein, on sent le public qui les suit de très très près et qui respire en même temps qu'eux. Autrement dit, presque pas. Là, ils sont dans la partie plus lente de leur chorégraphie qui est unanimement apprécié par les juges et les contrôleurs. C'est peut-être là où ils vont faire la différence. Les twizzles, les retournements, le travail de quart, tout ceci est excellent. Peut-être une médaille d'or au bout, peut-être. En tous les cas, c'est très très bien patiné. Ils font le job. Déjà 50% de ce qu'on leur demande. Fantina Bauer emportée ici en retournement qui plus est. Cela se passe très bien, c'est un sans faute. Allez, vous pouvez prendre votre respiration, mesdames et messieurs. Le programme est terminé et ça s'est super bien passé.
Les entraîneurs ont l'air contents. Qu'en pensez-vous ? Ici Romain Hagenauer et Marie-France. Mais j'en pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ce soir, je suis désolée de le dire, mais je ne comprendrai pas qu'il n'ait pas la meilleure note technique. C'est un programme, même si on n'aime pas cette musique qui a été longtemps critiquée. Pour moi, cette musique, elle est avant-gardiste. C'est un piano avec des rythmes irréguliers qui met en avant leur habileté technique. On les voit se mettre en danger eux-mêmes. Ils ne sont pas toujours dans la même gestuelle, mais toujours ils se retrouvent. Il y a tout, Nelson. Il y a des plus partout pour moi. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux ce soir. Et en aucun cas, ils ne peuvent rater cette médaille d'or. S'ils ne l'ont pas, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas parce que ce programme Alors, Annick, est non seulement Annick, techniquement parfait, ce que je peux vous dire, mais sublime.